Le 8 février 1937, la ville de Malaga, en Espagne, tombe aux mains des nationalistes. L'attention internationale était alors tournée vers la bataille de Madrid, enfin plutôt le siège de Madrid, qui du coup avait commencé en globalement novembre 1936 pour le grand assaut et plusieurs assauts qui se déroulaient régulièrement depuis. Mais alors que les nationalistes butaient sur Madrid, la défense de Madrid, Malaga de son côté va tomber. La défense de la ville était mal organisée. De plus, les relations entre le gouvernement local à Malaga et celles du gouvernement central à Madrid étaient mauvaises. Donc le gouvernement de Madrid, déjà très occupé avec, enfin qui était maintenant en Valence, mais qui était déjà très occupé avec le siège de la capitale et le front nord, ne va pas aider Malaga, qui va donc se trouver sans aide et mal organisé, et va tomber aux mains des nationalistes, ce qui sera suivi d'importants massacres, notamment du coup par les troupes de l'Italie fasciste qui ont participé activement à ce siège. Mais si vous voulez en savoir plus, on a fait une publication sur la page Facebook Histoire d'apprendre, lien dans la description.